Guinée-Bissau taxawayam leer na waye neñu Gambie mo xawa am touti tay xel ndax Adama Barrow limu woné ci bamuy dogotok ak ni mu djégé won Macky Sall dafa mel def ci and ak Mercedes Rey ndax li indi won sax jappanté bi digënté armée bék MFDC kérok ba ñent soldat Fatou ji moy walu dagum garab bi allu Casamance biñuy dag diko di jël banti di jaarale bir Gambie neñu bo démé Gambie fiñ tolné ay camion ki conteneur fess delek bant la té nguuru Gambie xamnako té sakku ci pexé taxawayu Adama Barrow dafa melni lérul tamit trafic bo bobu ñuy wax lu am la entre zone yu Salif Sadio contrôlé yi ak intermédiaire yu ci dugg ay chinois ak ay homme d'affaires gambien et c'est un problème très sérieux que le président Barrow doit prendre très très au sérieux officiellement kérok quand l'armée a commencé di def mouvement vers le nord Sinjar là mom néna daf na communiquer pour dire que du nangou ay soldats rebelle lay waxal di replier wu sur son territoire avec ay armes lolou déjà c'est un pas pour wone né xamna menace bi fum jëgë ci mais je pense que Adama Barrow dafa hérité ci situation bu xawa délicat parce que maîtriser gul armée num ko wara maîtriser c'est une armée bo xamné Yaya Jammé moko forger won à son image mom karangem sax mom Adama Barrow so xolé ba légui ni mum ci loxo soldat ou CDA oui et ñu ci ëpp GIGN sénégalais ñoo yoré sécurité rapprochem lool rek élément la pour woné né amagul tous les moyens daldi maîtriser armée il doit faire très attention parce que armée bi amna ci ñu nga xamné yaya mo leen formé et amna officier yu xawa favorable rébellion bi donc c'est une situation un peu complexe sénégal mo wara xam num koy appuyer nous muy naxanté ak mom pour doler ko parce que ben président bugo ñu né dunguru état ba lenga lolu aussi c'est quelque chose de qu'il faut prendre en compte c'est à dire que même si ay président nekké suñu xarit ñun ci suñu comportement ci suñu pexé waru ñu woné né on vient avec nos gros sabots avec des gens yo xamné ñu ñoo leen ëpp doler et que sen président yi suñu dunguru lañ lolu effet contraire bi ngay am ci niveau population bi et une partie de l'armée parce que armée ku nek da nga bëgg woné sa souveraineté donc c'est une question délicate qu'il faut manier à mon avis avec beaucoup de tact trafic bois bi ak itam li nga xamné modi anacarde bi ci la pratiquement ñom Salif Sadio di jëlé ay moyens est-ce que buñ ko couper jamono ji buñ ko daggé est-ce que dana ko affaiblir carrément mais complètement et parce que xam nga conflit bi dafa muté bu yagg depuis 82 ba légui revendication au départ yu indépendantiste yi ñom ñu ci bari xam nañ né ci sen dundu du yomb ñu gis indépendance Casamance et au début xamuñu won xaliss mais commencé nañ xam lan moy business conflit bi business la pour ñu bari ci ñom amna ci jeune yo xamné sont né après 82 xamuñu sax lan mo nekati les revendications au départ mais comme on est en Afrique ñi nga xamné amuñu yenn perspective légui dañuy dem dugg ci all bi yoré fa ay zone grise yo xamné autorité nekko fa ñuy donné wu à des trafics et des trafics très juteux parce que trafic bois bobu ngay wax ni ramification dafa dem ba Chine et lutax mu dem ba Chine moy une partie de élite chinoise bi légui nga xamné ñu ci bari ay milliardaires lañ ils sont férus de biens de consommation ci biens yoyu ñu ci gëna soxla moy bois de vin bi buñu waxawma que so xolé presque 300 000 tonnes exporté nañ ko daw et so xolé mais rebelle yoyu di revendiquer indépendance Casamance suñ koy mengal ak dara d'abord all bi la c'est la forêt c'est le poumon vert motax amna ñu japp ni gañu dañuy mbugo rebel Casamance rek waye ay businessman lañ ñu ci bari dañuy duñ sax ay rebel deugantane dañuy mbugo lolu rek yor seen ngannaay ngir mëna tek loxo ci all bi di dag bant yi di jaay du mëna ñëpp la mais ñu ci bari légui mom ci lolu lañuy yëngu conflit bi arrangé na len su dé nek dañ ci ay zone yu nga xamné pour armée bi accéder fa wala autorité nek fa yombul business bobu et du bois bi rek amna yenen mbir yu nga xamné ñu ngi ko fay trafiquer légui li armée bi di def parce que ba li armée def jamono ji di nangu ay base yo xamni Salif Sadio moko tegen loxo mbabu buñu nango fi du dem sanc fenen fo gëna sori gëna laxu
Dinako djem parce qu'il l'a fait plusieurs fois. Salif, c'est quelqu'un qui a combattu du sud au nord et qui s'est beaucoup déplacé. Bima lay wax Baraka Mandioca en 2006, bobu nit ñi yakaron nañ né du échapper. Mais fexé na ba dal di jaar ci gal, dal di recc. Et puis pourquoi Salif kaw mu metti? Salif ngadna yu mu yoré mom mo bari. Salif est lourdement armé, ñoo ñi dañ koy ay tonu arme le détenir parce que fum koy jëlé Guinée-Bissau néna la mom moy la clé biñu ñëwé ñom dal di guerre Guinée-Bissau ak Ansou Mane Mané. Ils ont récupéré ben stock armement bo xamné yu ci bari Salif mo ci tek loxo et Ansou Mane Mané sax bala muy dem état major du Sénégal ak ki wu Sénégal dañ ko né bëss buñu gisé nga jël ay armes ko jox ko Salif conflit bi dina reprendre mais Salif a pu récupérer beaucoup d'armes parce que Guinée-Bissau xam nañ trafic bi bobu état bi dafa normalu. So gisé bobu ba légui mu mën résister. Bon, c'est vrai que conflit bi changé na avant da ngay tox bir Ziguinchor ngay deg ay sox attaque yu gëna bari ci périphérie Ziguinchor do nam mais lolu armée bi repousser nako bu yag gën nga am ay attaque côté Ziguinchor. So xolé muy mom muy faction César bi ils sont presque tous maintenant à la frontière gën nañ mën dugg côté Ziguinchor wala jégué Ziguinchor muy woné na quand même armée bi amna taxaway bu deuguer amna zone yu bari ci bir Ousou yi amatul do fa deggati coup de feu c'est assez sécurisé mais nit ñi waru ñu am utopie xalané armée bi mën na yew d'un seul coup mu daldi jéxal rébellion bi parce que c'est compliqué, c'est un commandement éclaté. So bo mon sax Salif Sadio wala ñu japon ko suba di nga gis benen rebelle bu yewu ne mom moy commandant en chef wala mom moko remplacer. Donc du nek lo xamné day neex éradiquer totalement, il faut vivre avec l'idée que ils vont conserver une capacité de nuisance et que conflit bi day jog di wacc comme à la bourse mais que de plus en plus armée bi plus que ñu koy gëna occuper muy gëna occuper terrain bi dina dem su ko éradiquer wul tamit dina ko réduire à une portion congrue. Sante Diouf wote dialogue Sante Diouf nga xamantene moy médiateur ñu ne sax motax ba ñi nga xamantene ñom nitu Salif Sadio yi ak mom ci bopam bayyi soldat yi nga xamantene capturé won nañ leen ñom ci wal bopam xam nañ ni Salif Sadio yorna ay ngana yu bari. Posture Sante Diouf noko gisé? Sante Diouf ñu ngi def luñu mën mom mo gënon ñu bay rek état au Sénégal ak ku nek dang ci am intérêt. Salif su nekké en mauvaise posture so xamné né jekul tout temps mom moy revendiquer nañ xol fal la cesser le feu bi tollu. Justement, est-ce que Sante Diouf du koy top ci la nga xamantene ci la nek? Wa mais xam nga aussi du dañ koy top mais ils ont une position difficile. Deux fois wa ngi ni c'est grâce à Sante Diouf. Ah mais ñom nénañ armée bi na bayyi opération yi mu nekké fan yi lolou tam xam nga lolu armée Sénégal du ko nangou. Lolu c'est une position de médiateur bu muy wax lolu mais armée bi ligueyam bu muy def du ci falé Sante Diouf mais comme état au Sénégal mo bon dem ba nangou officiellement ñom ñu ci nek ay médiateur à partir du moment où yow mëno vaincre ce rébellion ni nga bëggé ba am kenen ku ci duggal loxom lolu dina la xaw affaiblir quelque part. Mënu ñoo né ñun quand ça nous arrange nañu dem moy Padre Romano nako damal nga waxal ak Salif nañu libérer suñuy soldat suñu jako rek ñu né ko non bul dugg ci suñuy yef. Lolu aussi c'est pas une posture bo xamné voilà mën nañ ko comprendre. Amna solo Barka, waxti bi dafa jeex mais ñaari seconde rek ci Mali soldat sa jël nguur ga gis nañ ni seen digg ak France mi ngi gëna xajam gënaaw bañ daxé soldat du France yi dakh nañ RFI ak France 24 fay seen antenne raut na RFI xupaté la wala ñi ngi ci seen deug ñom nguuruk Mali gëfa né jamono yi ngi ci dogo ak France. Waaw loolu dañu continuer rek ci yoon biñu jël dal di jël lépp teg ko ci ndoddu France mais yaakaar naa ne rek actuellement c'est surtout ni ñu confronter ak réalité pouvoir bi loolu moo leen commencé dab affaire bouc émissaire bi anti France beeg yooyu moom mooy posture nationaliste bu gën a yomb bi day taxu ñu lay tàccu opinion publique africaine bi jeunes yi ñu bëri ñu ànd ak yow waaye confronté à la réalité de pouvoir il se rendul que c' est très compliqué temps yi nale na benn attaque au centre du pays qui a fait une quarantaine de morts fipp yi djihadistes yi daal di fa dangu ay seen matériel
amna ay allégations exactions yu ñu wax ne ñom ñoko def ak ñeneen jeune bi il se rend compte que mbir mi yombewul nuñ ko foggé jërëjëf Barkaba jërëjëf Georges Nuziar Fatty ak gaay yépp ñu yëndu ak jamm.